témoigne de nos premiers pas pour changer le monde, seule la poésie nous laisse entendre que le possible peut devenir réalité. Nos poèmes expriment notre implication, ce que nous ressentons au fond de nous et n'osons accomplir. Nos peurs, nos espoirs et nos terreurs les plus folles. Parce que nous vivons au sein de structures façonnées par le profit. Le pouvoir vertical, la déshumanisation institutionnalisée. Nos émotions n'étaient pas censées survivre. On attendait des émotions mises à l'écart telles d'incontournables accessoires ou d'agréables passe-temps qu'elles s'agenouillent devant la pensée de la même façon que les femmes s'agenouillent devant les hommes. Mais les femmes ont survécu. En poète. Et il n'y a pas de nouvelles souffrances. Nous les avons déjà toutes endurées. Nous avons enterré cette vérité à l'endroit même où nous avons enterré notre puissance. Elles refont surface dans nos rêves et ce sont nos rêves qui nous indiquent le chemin de la liberté. Ces rêves deviennent possibles grâce à nos poèmes qui nous donnent la force et le courage de voir, de ressentir, de parler et d'oser. Et si nous considérons comme un luxe notre besoin de rêver, notre désir d'amener nos esprits au plus profond de notre foi, alors nous renonçons à la source de notre puissance, de notre féminité. Nous renonçons au monde futur auquel nous aspirons. Les idées nouvelles n'existent pas. Il y a qu'il y ait de nouvelles façons de les ressentir et d'analyser ce que valent ces idées. Le dimanche à 7h du matin. Après le brunch. En faisant fiévreusement l'amour. En faisant la guerre. En accouchant. En pleurant nos morts. Pendant que nos vieilles aspirations nous tourmentent, que nous combattons cette peur archaïque de rester muette, impuissante et seule. Pendant que nous découvrons de nouvelles possibilités et de nouvelles forces.